Chérie, je suis arrivé. Bonsoir, chérie. Comment tu vas? Bien. Ça va. Ça fait quoi ta journée? Oui, bien passé, ça va. D'accord. Moi, j'ai juste ennuyé, quoi. Wow, désolé, chérie. Ok. Je t'apporte de l'eau? Oui, juste un peu. Tu as l'air fatigué. Un peu. Oh, tu as fait quoi aujourd'hui? Oh, on a signé les papiers par-ci par-là. Ça va. Ok. Tu sais quoi? Je t'ai fait ton plat préféré. Waouh, c'est super ça. Donc tu vas aller te changer et on va passer à table. D'accord, il n'y a pas de souci, chérie. D'accord, chérie. Chérie, je vous ai apporté à boire. Ah, merci beaucoup, chérie. Tu regardes quoi? Ah, je regarde un film. D'accord. Chérie, je t'ai dit que je voulais te voir depuis hier, mais j'ai l'impression que tu m'évites. Pourquoi? Oh, chérie, désolée, j'avais carrément oublié. Comment tu peux penser que je t'évite? Si je t'évite, qui est-ce que je vais accepter? Tu n'as pas encore compris un truc, chérie. Tu es la preneur de mes yeux. Tu as tout pour moi, mon chou. Ok? D'accord, chérie. Et chérie, je voulais revenir sur l'événement d'hier. Désolé pour l'approche que j'ai eue envers toi devant la voisine. Mais chérie, tu sais, j'ai permis que tu quittes le campus pour venir vivre avec moi ici. C'est pour éviter beaucoup de choses que j'ai permis que tu viens vivre avec moi ici. Tu sais, il y a des filles qui sont prêtes à tout pour de l'argent. Surtout le mauvais voisinage. Et si tu fais amitié avec les voisines, tu seras dans des problèmes. Et c'est pourquoi je réagis ainsi. Surtout la voisine, elle n'a pas de bonnes intentions. D'accord, chérie, c'est compris. Je vais suivre tes conseils. Comme c'est toi l'Ivoirien, je vais t'écouter, ok? D'accord. D'accord. Mais chérie, c'est pas une raison pour m'emprisonner dans cette grande maison. Non, pas du tout. C'est pas mon désir. Je veux juste te protéger. Tu sais, ça fait près de 6 mois que tu es déjà à Abidjan. Donc je veux que tu te concentres sur tes études. Oh, mais chérie, j'ai des amis au campus. Tu sais que je suis nouvelle. Je me suis fait plein d'amis. Je dis pas non. Mais la Java, c'est après. Je vais te montrer moi-même les gens de femmes, de camarades avec qui tu dois marcher. Chérie, je suis nouvelle ici. Raison de plus pour me faire des amis. Tes études passent en priorité. Tu as un rêve, tu as des ambitions. Et tu dois aller au bout de ton rêve. Seulement si tu étudies, je te donne à fond. D'accord, chérie. Tu es tellement sage. Merci. Comment je peux ne pas t'aimer? Je remercie le Seigneur de m'avoir donné un homme aussi bon. Je t'adore, chérie. Merci, chérie.
Chérie, deuxième nouvelle. Ah oui, il y a encore une autre nouvelle. Oui. Ok. J'aimerais que on parte dans ton pays pour connaître ta famille, connaître tes origines, la famille qui me rend si heureux de t'avoir. Ouf, chérie. Enfin, je t'ai décidé. Ça fait des mois que j'attends ce moment. En fait, je t'observais. Je savais qu'un jour, tu allais te décider. Mais enfin, tu as pris la bonne décision. Je suis super contente, chérie. Je vais informer mes parents et ils seront ravis de te connaître. D'accord, moi aussi je suis ravi parce que dans 2 mois, je pars en congé. Donc j'aimerais en profiter ce temps pour aller, pour y arriver là-bas. Ouf, c'est super. Je suis D'accord, trop chérie. contente. Merci, chérie. D'accord, on va trinquer. D'accord. On trinque à quoi? On trinque à l'amour et au bonheur. Et aussi aux enfants. D'accord, chérie. Combien d'enfants? Trois. Je dirais quatre. Trois, chérie. Quatre enfants. Trois. J'ai toujours rêvé d'avoir quatre enfants, D'accord, chérie. c'est ce qu'on va faire. On fait trois et puis après on fait quatre. Ok, c'est super. D'accord. Ça marche. Donc à l'amour alors. À l'amour. Quand j'étais encore au lycée, j'ai vraiment beaucoup souffert. Je traversais des situations difficiles. Arrivé au moment de mes études, j'étais bloquée. Mes parents étaient dans l'incapacité de financer mes études à cause de la pauvreté. Et c'est en ce moment que j'ai rencontré une personne. Cette personne est devenue aujourd'hui comme un membre de ma famille. C'est grâce à cette personne que je suis ici aujourd'hui. Elle a accepté de parler de moi à ses parents. Ils ont accepté de m'aider. Chérie, s'il te plaît, arrête. Je ne veux pas que tu penses aux événements passés. Il y a des gens qui nous marquent positivement. Il y en a aussi qui nous marquent de façon négative. Donc je ne veux plus que tu penses à toutes ces choses. S'il te plaît. C'est vrai, chérie, tu as raison. Mais on en revient quand on se rend compte que cette personne qui a fait beaucoup pour nous est aujourd'hui dans le besoin. Devine quoi? Ce matin, je me suis rendue à la supérieure du quartier. Et j'ai rencontré cette personne ici à Abidjan. J'ai eu les larmes aux yeux quand je l'ai vue. Tu peux imaginer, cette personne est aujourd'hui sans abri. Elle vit dans la rue, chérie. La personne qui t'a aidé là, tu l'as vue à Abidjan ici? Qu'est-ce que je te dis? Elle est aujourd'hui sans abri. Elle vit dans des conditions misérables. Et je pense vraiment lui retenir l'ascenseur. Ça, c'est évident. C'est pourquoi j'ai voulu t'en parler. Et si on l'hébergeait ici à la maison, le temps que sa situation se stabilise? D'accord, chérie. Ça, c'est indiscutable. Mais je voudrais que tu fasses attention.
à ta copine qui va venir ici. Parce que quand elle viendra, elle trouvera tout ce confort. Je ne vais pas te perdre. Parce que les camarades aujourd'hui, elles sont prêtes à tout. Donc s'il te plaît, méfie-toi. Et moi, je n'ai pas envie de te perdre. Mais qu'est-ce que tu racontes, chérie? C'est même pas une fille. C'est un homme. Tu veux me dire que la personne dont on est en train de parler ici là est un homme? Oui, c'est ce que je te dis. C'est impossible. Je ne peux pas concevoir abriter dans la maison un ami d'enfance avec qui tu étais. Et quand j'imagine même le fait que de vous laisser dans la maison, sur vous deux, aller au travail et revenir, chérie, c'est inconcevable. Attends, chérie, tu mets la jalousie dans tout. Je ne suis pas une personne qui a marqué ma vie. C'est grâce à cette personne que je suis ici aujourd'hui. Chérie, ça n'a rien à voir avec la jalousie. Mieux vaut prévenir que de guérir. Et pas que je n'ai pas confiance en toi. Mais je dis que je refuse que ce dernier-là vive avec nous ici. C'est inconcevable. Je pars au boulot. Je regarde la télé, t'as pas remarqué? Là, tu me bats la vue, là. Je te dis que je pars au boulot. Tu es encore fâché? Mais si j'ai refusé, c'est parce que je t'aime, je ne veux pas te perdre. Comprends-moi, aucun homme ne peut accepter ça. Laisser venir un ami de sa femme chez lui à la maison, sachant que ce dernier n'est pas en place, bébé. Max, tu m'as dit la même chose hier soir. Tu veux passer au boulot? Vas-y, va au boulot. Mais attends, qu'est-ce que tu crois? De toute façon, mon ami, je pense l'aider. Il a beaucoup fait pour moi. Et en ce moment, je ne peux pas le laisser tomber. Si tu ne veux pas, je vais l'héberger quelque part. Mais je compte bien l'aider. Il faut que ce soit clair pour toi. D'accord. Tu me promets que si ton ami arrive de cette maison, tu seras sage. Max, tu sais, je te l'ai toujours dit. Dans ma vie, il n'y a que toi. Je ne vis que pour toi. Ok, je serai sage. Ça te va? D'accord, j'ai compris. J'accepte que ton ami vienne rester avec nous à la maison. Sérieux? Oui, chérie. Donc tu acceptes? Oui, chérie. Oh, chérie, c'est trop que tout. T'es trop sais, gentil. Je le fais par amour pour toi. Parce que j'ai pas envie de te perdre.
C'est sans chez toi. Merci, Ange. Ça fait vraiment plaisir de te revoir. Le plaisir est partagé. Je peux te poser une question si cela ne te dérange pas. Oui, bien sûr. Ton gars là, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait? Il est transitaire, il travaille au port. Il est transitaire? Oui. Je vois. Pourquoi cette question? Tu dois vraiment compter pour lui alors. Ah oui. Tu sais, c'est pas vraiment facile d'accepter un inconnu chez soi. Mais mon chéri, il est vraiment compréhensif. Malgré que tu sois un intrus pour lui, il a accepté de t'héberger. Mais moi, ce n'est pas un intrus pour moi parce que je te connais. Et maintenant... Bonsoir. Je te présente Job, mon ami dont je t'avais parlé. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. Il fait comme chez toi. Merci, Mas. Ne me remercie pas, je le fais pour elle. Merci beaucoup et surtout merci pour l'hébergement. Je sais que vous allez très bien vous entendre parce que je vous connais tous les deux. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, chérie. Tu t'assois? Merci. Bien dormi. Bonjour, Mas. Bonjour, bonjour. Je dois aller. Oh, déjà. D'accord. Passe une belle journée. Ok, merci beaucoup. Et à tout à l'heure. D'accord. Ok, Max. Ton gars, c'est un homme jaloux. Hein? Oh, c'est normal, quoi. C'est une preuve d'amour. Quand on aime, on doit être jaloux, en fait. Chez nous. Ça craint, mais bon, il faut juste pas que ce soit exagéré, c'est tout.
Chérie, on dirait que tu manques de sommeil. Oui, chérie. J'avais l'insomnie hier. J'ai dû venir au salon pour regarder la télé. Ok, je vois. Donc, tu ne manques pas de te reposer après le déjeuner. D'accord, chérie. Mas, hier, j'avais dit à Ange de te dire, je ne sais pas si elle te l'a dit, je dois aller faire du shopping. Et vu qu'aujourd'hui, c'est samedi, je ne sais pas si tu pourras nous emmener. Vous y allez ensemble? Alors, au fait, comme ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait de shopping, je me dis que c'est une bonne idée, histoire de se détendre un peu. Voilà, donc on ira tous ensemble. Et on y va à quelle heure? Disons 11h. Ok. Merci beaucoup, Mas. Job, il est dans sa chambre. C'est pour quand? D'accord. Je peux te poser une question? Oui, bien sûr. D'accord. Dis-moi, qui a-t-il en toi, Job? Oh, chérie. Tellement de fois que tu es jaloux. Job, c'est juste un ami. Je t'ai toujours dit que dans ma vie, il n'y a que toi et toi. Okay. Tu es l'amour de ma vie et je ne vis que pour toi. Job, je me sens un peu redevable envers lui. Par rapport à ce qu'il avait pour moi quand j'étais encore lycée. Maintenant, il a juste besoin de nous. Ça pouvait être toi qui te retrouves dans cette situation. Donc, tu dois juste être compréhensif. D'accord. D'accord, chérie. Tu sais, je tiens beaucoup à toi. Et je n'ai pas envie de te perdre. Merci. Merci beaucoup. D'accord. En plus.
Qu'est-ce que tu fais assis là tout seul dans un bar à cette heure? Oh, je te dis pas. C'est Max qui m'a conduit ici. Max? Sérieux, Max? Mais il était à la maison, c'est ce que je pensais. Ce matin, il m'a appelé, il me dit on doit discuter. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Donc il a demandé à ce qu'on sorte de la maison. Et pour qu'on puisse en parler mieux. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est là, il m'a conduit dans ce bar. Quand nous sommes arrivés, il me dit, il me pose la question de savoir c'est quoi le problème que j'ai réellement pour que toi tu puisses décider de m'héberger. Sérieux? Mais il m'avait posé la même question, on en avait discuté, je pensais que je l'avais convaincu. Donc moi je lui ai dit que je suis dans l'import-export et que je fais dans la vente de voitures avec un ami qui est actuellement à Londres. Mais ces derniers jours, les trucs ne marchent plus. Donc moi, j'ai décidé de m'investir dans un autre business. Donc j'ai entendu parler d'un business ici à Abidjan. Du coup, j'ai envoyé de l'argent. Ensuite, je suis venu. C'est quand je suis arrivé ici à Abidjan, je me suis rendu compte que c'est de la NAC. Donc il va falloir que je bosse dur pour trouver de l'argent et retourner chez moi. Donc c'est de là qu'on s'est rencontré, toi et moi. Et tu as décidé de m'héberger. Donc c'est ce que je voulais servir. Donc je ne sais pas s'il a gobé le scénario ou pas. Donc c'est un peu ça. Donc je te le dis, il vient de partir tout à l'heure. Hein. Donc je t'ai appelé pour t'en parler. Et là, tu m'as dit que tu n'es pas loin. Donc c'est pourquoi je t'ai demandé de passer. Donc c'est un peu ça. On ne sait jamais s'il te demandait le pourquoi réellement je suis là. C'est un peu ça. Maintenant, comment ça s'est terminé? Et il m'a fait une proposition. D'accord. La proposition qu'il m'a fait, c'est que... Donc, il m'a demandé si, en temps, il me trouvait de l'argent pour que je démarre un autre business. Et qu'il me trouvait un appartement, est-ce que je pourrais quitter chez vous là pour aller rester ailleurs? Je dis oui, pour moi, il n'y a pas de souci. Tout ce que moi, je vis en ce moment, c'est de trouver quelque part où rester, c'est tout. Donc, il m'a promis 500 000 francs d'ici la semaine prochaine. Attends, c'est Max, il est tellement jaloux. Il m'a promis 500 000 francs, donc espérons qu'il le fasse. Donc, s'il le fait, c'est ça. Je vais te le dire. Ok, donc si il te remet de l'argent, tu vas quitter la maison, c'est ça? Bon, oui, je vais quitter, j'irai. Bon, d'abord, il a promis aussi l'appartement. S'il me donne l'argent, moi, je vais partir. Mais ce qui est sûr, toi, tu viendras me voir à chaque fois. On ne peut pas se séparer. Ok, non, ça marche. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que lui c'est masse, mais moi c'est job.
Job! Job! Oui, imbécile d'ailleurs. Job! Écoute-moi très bien. Je veux que tu plies tes bagages et tu dégages cette maison à l'instant T même. Est-ce que tu m'as compris? Oui, mais Mas, qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que tu m'as saisi? Je veux plus te voir dans cette maison. Je veux que tu quittes les lieux immédiatement. Tu n'as pas d'ordre à me donner ici. Je veux que tu pars de ma maison. Mais dis-moi, Mas, si je te fais quelque chose, dis-moi, je vais m'en excuser. Est-ce que tu me comprends? Si tu continues à m'énerver, tu partiras de ce lieu sans quelque chose dont tu es venu avec. Max, qu'est-ce que tu as encore fait? Pourquoi il est dehors? Je m'absente deux minutes et tu le mets dehors? Max, je te parle. Chérie, je fais tout pour éviter les histoires avec toi, mais tu ne veux pas, tu ne veux rien comprendre. J'ai dit ce gars-là, je veux plus le voir cette maison-là. Max, tu me pousses à bout. Là, je t'assure que tu me pousses à bout. C'est ta maison qui t'intéresse? Il est dans le besoin, toi, c'est tout ce qui t'intéresse, c'est ta maison. Onze. Jusqu'à preuve du contraire, je suis le propriétaire de cette maison. C'est moi qui fais les dépenses ici. Je veux plus que cet ami-là reste dans cette maison-là. D'accord, pas de problème. C'est ta maison, d'accord. Ok, garde ta maison. Si pas Ange. Cette maison, je pars avec lui. Non, Ange, faut pas faire ça. S'il te plaît. C'est moi qui suis l'intrus dans cette maison. Moi, je vais partir. John, je prends mes affaires, je te suis. Non. Quoi? Non, pas la peine, t'inquiète pas. Je prends mes affaires et je m'en vais avec toi. Au revoir. Jusqu'à ce point-là, Ange. Ange. La voiture qui m'a pris, normalement, lui, le chauffeur normalement devait prendre par ici. Mmh. Et là, je vais descendre directement. Mais c'est quand même, c'est tout droit. Hein? C'est tout droit. Maintenant, autre chose, mais pourquoi est-ce que... Il y a quelque chose qui s'est passé hier chez nous. Excuse-moi, j'ai un appel. Allô? Oh, c'est qui? Ah non, pour le moment, je suis en congé pour 2 semaines. Je reprends la semaine prochaine. Ok, merci à vous. Au revoir. Excuse-moi. Et là, ça craint. Hier, j'étais dans ma chambre en train de regarder un film sur l'ordinateur quand Mas m'a appelé. D'abord, la façon dont il m'a appelé, c'était un peu dur, quoi. Il est où? Il est où, Job? Il est où? Sors d'ici, ou l'imbécile, là!
Je suis sorti tout effrayé. Je lui demande, Mas, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Il sort de cette maison. C'est pas vrai. Sorti. Lui, il dit de sortir, que lui ne veut rien entendre de moi. Mais attends, mon frère. Qu'est-ce que je t'ai fait? Parle-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi, je vais m'en excuser. Il dit non, qu'il ne veut rien dire et que je n'ai pas d'ordre à lui donner dans sa maison. J'étais obligé d'entrer dans la chambre parce que Ange n'était pas là, à la maison. J'ai fait ma valise. Je suis sorti. À peine 40 mètres de la maison, au bord du goudron, j'ai rencontré Ange qui revenait de la vie. Elle me voit. Elle me demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi j'ai ma valise? Je lui ai dit non, qu'il y a Mas qui m'a expulsé de sa maison. Elle dit que ce n'est pas vrai. Donc c'est elle qui m'a ramené dans la maison. Arrivé dans la maison, Ange lui pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que le jeune t'a fait, c'est-à-dire qu'est-ce que je lui ai fait. Je te dis jusque-là, il n'a rien dit de concret. Ange est rentré dans sa chambre, elle aussi a fait sa valise. Elle dit qu'elle doit partir. Là, Mas a compris que ce truc-là, ça va dégénérer. Mas l'a suivi et là, il s'est excusé. Wow. Et c'est grâce à ce chantage-là que j'ai pu rester. Sinon, je serais déjà dans la rue. Ouais. Donc, depuis hier, je me suis dit non, je ne vais pas me taire sur ça. Je dois vraiment t'en parler pour que s'il y a quelque chose. Mais moi, j'ai compris quelque chose. Que ce monsieur m'a déclaré la guerre déjà. Donc depuis le matin, j'essaie de vous appeler. Moi, je ne savais pas que vous n'étiez pas en ville. Ici, c'est pour la première fois que je viens ici. C'est très loin de la ville. Hein. Waouh. Mon ami, je t'ai dit de faire attention à ce monsieur-là. Faire attention à ce monsieur-là. Parce qu'il est capable de tout. De tout. Hein? Tu comprends, non? Sois très prudent. Sois très prudent. Est-ce que tu m'as compris? Oui, j'ai compris. C'est mieux. Yeah. Moi-même, depuis hier, j'étais effrayé. Nika. Marvo, marvo. Wanyuni, marvo, marvo. J'avoue de connaître à changer mes jours. Avec ce sourire, tu me rends fou. Infiniment, je te dois beaucoup. Ton sourire et ton amour. Et si parfois tu coules des larmes, sache qu'il n'y a pas d'amour sans peine. Je fais le tu mais j'ai de la peine. Vivement que le bonheur s'enchaîne. Et si souvent je traîne dehors, c'est pour qu'on puisse rouler sur l'or. Dis-je sais, j'aurais tort. Mais y'a pas de doute, je t'aime très fort. Ouais, des laines ont ni cagne ni d'alba. Et tu coules des larmes, oui, je sais, tu n'aimes pas ça. Si ça te rassure, je t'assure, ça me plaît pas. T'es la seule que j'aime, oui, c'est vrai, je n'ai que toi. Ouais, des laines ont ni cagne ni d'alba. Et tu coules des larmes, oui, je sais, tu n'aimes pas ça. Si ça te rassure, je t'assure, ça me plaît pas. Comme si, amour comme ça. L'amour que j'ai pour toi, il est sans égal. Tes plis me cassent pas. Amour comme si, amour comme ça. L'amour que j'ai pour toi. Ah, oui. Si tu pouvais sonder mon cœur, tu verras de quoi je parle. Quand je te vois, tout mon être s'emballe. Approche-toi, tu vois, je suis pâle. J'aime mon bébé, c'est pas du leurre. Elle est si fragile, elle est comme une fleur. Si elle me laisse, un jour je meurs. Mais les gens parlent trop. À mon bébé, ils ont dit du faux. C'était le début des mêmes. Thank you.
m'en va. J'avoue de connaître à changer mes jours. Avec ce sourire tu me rends fou. Infiniment je te dois beaucoup. Ton sourire et ton amour. Et si parfois tu coules des larmes, sache qu'il n'y a pas d'amour sans peine. Je fais le tu mais j'ai de la peine. Vivement que le bonheur s'enchaîne. Et si souvent je traîne dehors, c'est pour qu'on puisse rouler sur l'or. Dis-je sais, j'aurais tort. Mais y'a pas de doute, je t'aime très fort. Ouais, des laines, on t'inica, ni non d'alba. Et tu coules des larmes, oui, je sais, tu n'aimes pas ça. Si ça te rassure, je t'assure, ça me plaît pas. T'es la seule que j'aime, oui, c'est vrai, je n'ai que toi. Ouais, des laines, on t'inica, ni non d'alba. Oh, comment ça va? Oui, ça va bien. Mais tu aurais pu taper. Hein? Ah d'accord, mais vous n'avez pas fermé la porte. Tout est ouvert là-bas. Je suis rentré, je me suis changé, tout. Je suis arrivé là. Oh, désolé. J'avais carrément oublié. D'accord, il n'y a pas de souci. En fait, quand je venais, j'avais une dame qui vendait de la mandarine. Donc, je vais en profiter pour en acheter. Donc, voici pour toi. Merci beaucoup. Merci mon cœur. Mais pourquoi il a la plus grosse orange? On peut échanger. Non, garde ça. Merci. D'accord, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc je vais vous laisser, moi je suis à côté. Merci. Tout à l'heure. Réveille-toi s'il te plaît, Ange. Bonjour monsieur. Bonjour, sommes la police nationale, commissaire Henri. Mon collègue et moi, nous cherchons monsieur Job Fagla. Non, il n'y a pas de Job Fagla ici. Mais par contre, ma femme est Ange Fagla. Monsieur, laissez-nous vous dire que Job Fagla a été amené ici par nous. Pas besoin de mentir. Toi, tu vis dans un paradis. Hein? Ah oui, par la grâce de Dieu, toi, tu deviens un homme. Hein?
Je suis à te marier maintenant. Ça, c'est Abidjan. D'accord, je vous apporte de l'eau. Madame, le commissaire et moi avons décidé que votre frère soit avec vous. Parce qu'ici, il sera en sécurité. Et je voudrais aussi dire que la famille de l'enfant dont il a été est à sa recherche. Donc avec vous, il n'y aura pas de problème. D'accord, j'avais déjà compris avant-hier quand vous m'avez appelé. Ne vous inquiétez pas, c'est vrai qu'il est têtu, mais je vais bien l'enfermer ici, il ne va pas sortir. Monsieur le commissaire, merci vraiment pour cette grâce que vous faites à mon frère. Je vous en serai vraiment reconnaissante. Ok, franchement, il serait bien qu'au moins qu'il soit gardé en secret, ici. Et heureusement que tu as été là. Ok, je te laisse en famille. Merci vraiment, monsieur le commissaire, pour cette grâce. Ah bon? Mais ma femme ne m'a jamais parlé de ça. Job Fagla est le frère de votre fiancé. Effectivement. Monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Harry, comme je te le disais là, le gars là, Mas, ou bien comment il s'appelle, je lis sur son visage la haine. C'est vrai, il est jaloux, et ça, même je suis conscient de ça, et il a ses raisons, parce que rares sont les hommes qui vont accepter berger à côté d'eux un ami d'enfance. C'est pas possible. Donc si c'est ce que nous avons servi à Mas pour qu'il puisse accepter, je pense qu'il a raison. Mais quand même, j'ai peur. J'ai peur. Pas plus tard qu'hier, je l'ai vu. C'était la nuit, je l'ai vu. Il ne savait pas que j'étais sous la douche. Je l'ai vu sortir, murmurer, parler seul au salon. C'est comme si déjà il regrette le fait de m'avoir hébergé. Il réfléchit trop. Même quand tu le vois, il est préoccupé à chaque instant. Tu sais, tu es habillé, c'est pour un but précis. Tu comprends? Tu es là pour un but précis. Donc, focalise-toi sur ce but d'abord. Tu comprends, non? Voilà. Moi, de mon côté, je ferai un effort pour trouver un emploi ici à Abidjan. Bien à tout, hein. Voilà, Abidjan, c'est la belle vie. Il y a tout à Abidjan. Il y a les nanas, il y a à manger. Il y a tout à Abidjan. Tu peux compter sur moi. Hein? Tu peux compter sur moi. Et Abidjan, tu sais, Abidjan, c'est une grande ville, hein. D'affaires. Tu comprends? Et tu peux compter sur moi. Je te ferai quand même une fois pour trouver un emploi. Un emploi ici à Abidjan. Mais seulement pour avoir un emploi à Abidjan, je te conseille, il faut être vraiment bien. Une bonne moralité. Sinon, vraiment, il y a des loups ici. Et je sais que tu ne vas pas me lâcher. Non. Je sais que je suis là. On a fait l'enfance ensemble. Si aujourd'hui je me retrouve dans ton pays, c'est que là, je suis déjà dans ton pocket, moi. Oui, oui. Ouais. Là, c'est bien. Franchement, en tout cas, vraiment, comme je l'ai dit, hein, reste calme. Compte sur moi. Tu comprends? D'accord. Compte sur moi. Je sais que tu es toujours là. Et tu as toujours été là. Et vu que moi, c'est moi qui me suis déplacé maintenant vers ton pays, tu ne vas pas me lâcher. Non. Compte sur moi et on fera bonne route ensemble. Avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Merci beaucoup. Demain, nous passerons cette heure. Merci.
Donc comme ça, si on mangeait ta maudite mandarine, c'est comme ça on allait mourir. Et toi, tu vas où? Tu allais partir vivre ta vie tranquillement. C'est ça? Franchement, tu me déçois. Mas, tu es trop parti. C'est vrai que nous sommes fautifs. Et on ne te l'a pas dit parce que je sais que si on te le disait, tu n'allais pas accepter. Pour ça, nous sommes désolés. Mais tu n'aurais pas dû. On t'a entendu tout à l'heure quand tu parlais à la police. C'est vrai ce qu'ils ont dit. Et je le confirme. Job est mon frère. J'ai pensé qu'en te disant la vérité, tu n'allais pas accepter de l'héberger. Parce qu'il était un meurtrier. Mais là, je ne sais plus qui est le meurtrier entre vous deux. Parce que lui, c'était un accident. Mais toi, tu l'as fait consciemment. Vraiment, là, tu me déçois. Je pensais connaître l'homme avec qui je vivais. Mais là, je ne te connais pas. Tu es malade, Max. Tu as un problème psychologique. C'est vrai que je t'aime. Je t'ai vraiment aimé. Et je tiens toujours à toi. Mais je suis désolée. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Tu m'as vraiment aidée. Mais là, je me sens plus en sécurité avec toi. Je pense que je vais vider les lieux. Et je vais avec mon frère. Allons-y.